Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Casipéry. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la 9e partie sur Zelda Wind Waker HD. Souvenez-vous, on était dans la tour des dieux et on s'était arrêté dans une petite pièce. Ici, voilà, où il y a un trésor. On avait récupéré une clé, il me semble. Et on venait d'ouvrir le. Il y avait à l'entrée du donjon. Il y avait à l'entrée du donjon, voilà, des trucs comme ça là, des bouches qui rejetaient de l'eau un peu comme une fontaine. Et là, on a bloqué cette fontaine pour ouvrir. Voilà, enfin bref. Voilà, il va falloir rentrer ici. Link, arrête-toi. Voilà. Il va falloir rentrer dans cette porte. Donc voilà, la tour des dieux, bah, que dire de plus? Allons-y. Qu'est-ce qui nous attend? Je crois que c'est la deuxième partie du jeu, c'est pour ça que. Enfin, du donjon, c'est pour ça que je préfère qu'on s'arrête là. Ah putain, je me souviens de ça. Ok. Mais oh putain, mais le mec il rampe en plein combat. Voilà, là il faut passer en mode furtif. Fallait prendre les cubes? Enfin, les statues? Très certainement. On va prendre les statues. Voilà. Mais il y en a que deux le problème. Papa, comment on fait du coup? Voilà. Et on se pose? Ouais, mais si je pars, ça va. Ça marche. C'est chiant, c'est rare là. Ils veulent me piller mon or. Enfin, mon or. Mes rubis. Putain, Link, je déteste ce système de saut à la con. Voilà, on refait. Pour que Link saute, il faut vraiment y aller à fond sur le joystick. Comme ça. Attendez, ça monte encore. Non, mais il y a un cube en l'air comme ça qui sert à rien. Alors, qu'on se souvienne, on est arrivé par là. On va aller vers là. Voilà. Carte, putain, deux secondes. La carte se met. Oh, ils sont chiants ceux-là. Voilà, alors, une petite statuette, please. Please, please, please. Voilà. Oh, d'accord, ok. Doucement. Ah, d'accord, ça servait à rien. Je me fais chier pour rien. Ok, excusez-moi. Oh, toi qui cherches le chemin des dieux, appelle-moi avec ZR et guide-moi vers l'endroit qui convient. Bien sûr. Ok, le mec, il y a un trou. Ah, ok. Come on! Come on! Voilà, donc tout. Voilà, on contrôle une petite statue. Ne évite de tomber, hein. Non mais oh. On trouve une petite statue par la pomme de serre. Allez, on accélère un peu, hein. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Ah, pardon. Ah, ça va, il tombe pas. Oh, oh. Oui. Putain, mais oui, mais il est débile aussi, il est resté bloqué, là. C'est pas possible de... Commande, allez, putain, on fait. Il est resté bloqué. Ah, vu la tête de Link, je ne suis pas en forme. Enfin, je trouve vite des cœurs. Ouais, il est pas en forme. Ce n'est pas bon. Oh, la caméra.
Ça va, c'est bon, papy. Voilà, on te prend maintenant et on saute. Voilà. Et il va falloir éviter ces trucs à la con. Voilà, jetez-vous dans le vide, c'est ça. Espèce de mongolien. Oui, j'ai vu une autre pièce. Ne vous inquiétez pas. Alors, ne vous inquiétez pas. Allez, 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 allez. Waouh. Ah. Est-ce qu'il faut y aller maintenant? Je sais plus. Par contre, est-ce que vous avez des cœurs? Les symboles indiquent leur direction. On a pris quoi? L'air du Mario Tennis. Du Mario Tennis, ouais. Non, du Mario Nettis. Du Mario Tennis, ouais, le mec, viens. Ah, ok, bon. Par contre, moi, il me faudrait des cœurs, please. Non, pas des rubis, des cœurs. Mais des rubis de 1 en plus. C'est une blague. Non, mais des cœurs. Si possible. Voilà, merci. Un autre? Non. Ok. Là, une autre pièce. Allez, ok, d'accord. Et toi là-bas? Ça leur fait rien. Alors là, je les ai vus, ne vous inquiétez pas. Tac. Ah, du coup, il va falloir m'attaquer. Oulala, là, j'ai eu peur. Non. Non, mais ça te fait rien, ça, tu t'en fous. Non, mais ici, je peux pas y aller. Mais non. Faut que j'en fasse. Le pauvre, je lui mets des esquives. Voilà. Alors. YOLO. Et on va l'appeler. Come on. Et ça, on s'en sert quand le du Mario Nettis? Est-ce que j'ai loupé un truc? Viens là, 2 secondes. Ah oui, voilà, justement. C'est ici qu'il va falloir le jeu. Du marionnettiste. Voilà, voilà. Et là, on va regarder la tête de Link. Ouh, je pense. Et évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Oh putain, mais voilà. Il faut que je mette Link là-dessus, voilà. Et on refait. Voilà, et là, voilà. Comme ça, c'est bien. C'est la lumière, enfin c'est le pont de... Voilà. Et moi, je peux toujours passer par là. Eh oui, parce que la statue n'a pas le grappin. Enfin, elle n'a pas de bras. Pas de chocolat. Désolé. Donc, il faut la poser. Non, il faut que je me pose ici. Voilà. Que je te jette. Voilà. Pas dans le vide.
Alors, je crois que j'ai fait une bêtise peut-être. Bah oui, j'ai fait une bêtise, hein, ça c'est obligé. Oula, oula, oula. Ah, on veut me parler. C'est Tetra. Ah non. Kazeberry, tu ne vas pas pouvoir emmener les serviteurs de la tour partout avec toi. Dans ces cas-là, n'hésite pas à les laisser seuls, ils t'attendront sagement. Oui, ce sont les statues, donc c'est sûr qu'elles vont pas râler. Alors toi, tu m'as un peu saoulé. Oh, tu peux venir? C'est possible? Eh ben... C'est une blague. Ici! Voilà. Du coup, on fait comment, là? Elle a bien ouvert la porte là-bas, c'est parfait. YOLO! Voilà, on y va. Ah, ça pue le mini-boss. Le mini-boss. Le mini-boss. Oh, un boss qui risque d'être très intéressant. On va se battre contre un chevalier blanc. Il peut paraître très imposant, mais c'est très très facile. Voilà. Oula. Non, ok. Non, mais putain, j'ai plus beaucoup de cœur. Il peut pas me proposer le A. Sinon, moi je prends des cœurs hein, si on a. Non, vas-y, casse un poteau. Casse un pilier. Voilà, casse un pilier. Ah voilà, ça proposait. Mais j'aimerais que tu casses ce poteau là. Oula. Ah, y'a même pas de cœur. Y'a juste ça là, d'accord. Ah d'accord. Non, tu t'en fous. Et ça? Non, ok. Y'a pas le coup du... Ok, au début je faisais mon beau, je disais ça va, c'est un boss facile. Eh ben non. Ah putain, il me propose. Eh ouais mec. Ça fait mal hein. Oh le pauvre. Je vais lancer l'épée dans la gueule et il a rien compris. Voilà. Et avec un coffre très important. Avec un objet très important des Zelda. Certainement mon préféré même. Sinon moi je veux des cœurs. Doudoudoudou, le blason des pistes. Et un coffre très important. Que voici. L'arc du héros. Et oui les amis. C'est super bien comme arme. On va pouvoir buter de l'ennemi. Alors, on va le mettre. Je vais le mettre là, perso. Comme ça fait vraiment. Voilà. Comme ça, on peut voir mon skill aussi. Mon skill que je n'ai pas à l'arc. Ok. Voilà. J'ai que 30 flèches, hein. Il ne faut pas abuser, Quentin, non plus. Si là il m'en propose, voilà, merci. Ok, donc il va falloir que je retourne voir Monsieur la statuette. La voilà la petite statuette. Je vais vraiment lâcher tout là. Je fais comment là du coup? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler. Ça fait combien de temps là? Ça fait un quart d'heure. Ah ouais, le temps passe vite hein.
non, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. J'ai compris, il faut, je crois qu'il faut lancer la... Parce que là, la plateforme, elle touche pas le... Mais non. Mais pourquoi je... Ouais, mais je suis un mongolien, moi. Moi, je cherche compliqué quand il n'y a pas. Voilà. Donc, du coup, on va éviter les statues. Je sais pas si vous avez vu à droite, la statue a ouvert... Enfin... a commencé à s'animer, voilà, je vous ai dit qu'elle était vivante. Heureusement je les ai esquivés. Oula. Heureusement je les ai esquivés. Donc maintenant qu'on a les flèches, il faut que je retourne à un endroit. Oui, mais avant de continuer dans le donjon, il va falloir faire demi-tour. C'est en face. Voilà. Eh merde, la plateforme a mis un next. Et là, on a droit au Kamek. Oh, je déteste ça, ça ressemble à des Kamek. Je trouve que ça ressemble à des Kamek, perso. Alors là... Voilà. Ok, 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 cool, 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 le fait n'importe quoi. Eh ben. Oh putain. Non, oh putain, allez vite. Oh mais moi je joue vraiment avec le feu, moi je fais n'importe quoi. Est-ce que ça m'enlève des cœurs quand je tombe? Eh oui, eh oui, eh oui. Non mais. Non mais ça commence à m'énerver là, c'est un vrai gag ce jeu. Comment dire que je suis dans le caca là en fait? Elle est tombée avec moi. Oh non mais sérieusement Quentin, tu sais fort. Au pire je les élimine, voilà pour être tranquille. Ah putain, j'avais oublié ça aussi, oui. Ils font la toupie. Et qu'est-ce qu'il fait? On va aller au revoir. Hein. Voilà. C'est pas possible, il me reste plus que deux cœurs. Il y a quoi? J'espère que c'est important ce qu'il y a ici. Hein. Intéressant. Je sais plus du tout ce qu'il y a. Bon, ils veulent pas me donner des cœurs. Ah super, il y a un boss. Ok. Oh là 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 là, j'ai que deux cœurs. Oh là 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 là. Ah oui, oui, je m'en souviens. Il fallait leur lancer des bombes. Ou des flèches, je sais plus du tout. On va essayer les deux. Ouais, il faut leur lancer des bombes, ouais. Mais pourquoi il rampe? Non mais Link, il faut d'un moment on dit stop là. Je sais pas pourquoi tu rampes. Voilà. Bon, déjà protège-toi du bon côté. Voilà. N'importe quoi. Alors, des cœurs, s'il vous plaît, plein de cœurs, les cœurs. J'ai plus beaucoup de cœurs. Alors, voilà, un petit pendentif du bonheur. C'est tout ça pour des pendentifs du bonheur. Bon, ça va parce que c'est assez important, les pendentifs, mais bon, ça ne l'aurait pas été, j'aurais râlé. Je suis vraiment pressé, moi, comme mec.
Est-ce que si je saute... On va faire un essai de ouf. Ok. Maintenant... Ah, il commence à griller. Eh ben non. Heureusement, il s'est rattrapé. Eh ouais, il est fort, le petit Link, là. Du coup, je dois aller où? Je sais plus du tout. À gauche. Et ouais. Hop. Voilà. Toc, toc, toc. Je dois aller là. Non, là. Voilà. Il me semble qu'on est bientôt à la fin du donjon. Il y a le deuxième étage qu'on n'a pas fait, mais ça va. Voilà, il y a juste encore deux étages, mais il y a une seule salle. Donc ça va. Ah putain, je m'en souviens de cette pièce. Elle m'avait fait bien râler comme il faut. Alors déjà, on va s'occuper de ces petites chauves-souris. Comme il se doit. Alors, vous allez voir mon skill à l'arc. Après, on s'en fiche avec les chauves-souris. Non, on s'en fiche, on s'en fiche. D'après mes souvenirs... Mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons, il fallait commencer par les là. Voilà. Oh là 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 là. Ça dégage, ça dégage. Alors, on tire là-dessus. Voilà, on tire là. Ok, 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 on se calme. Du coup, je sais pas trop où aller. Peut-être là. Mais moi, je joue vraiment avec le feu, mais... C'est pas possible. C'est quoi? Non, mais... Non mais pas lâcher à remonter. Il n'y a pas un bouton A pour remonter. Non mais... Il me reste combien de cœurs là? Il doit m'en rester deux, voilà. 3, enfin 2,5. 2 quarts. Ok, ok. Donc Quentin reste cool, voilà. Un. Hop, voilà. Maintenant, tu vas ici. Sur cette plateforme là. Voilà. Ensuite, je vais là-dessus. J'ai vu un truc qui me plaisait pas. Une petite clé, merci beaucoup. Alors, j'ai vu un truc là. Non. Eh oui, j'ai vu. Oh là là, je suis vraiment mauvais. Hein. Où est-ce que je vais là maintenant? C'est ici. Voilà. Hop, les voilà ici. Et j'ai vu une autre. En fait, je crois que ça sert à rien. Est-ce que c'est nécessaire de. Ah, si, 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 non, j'arrive. Je me suis dit, c'est nécessaire de venir ici pour tirer sur l'œil alors que. On pouvait. De la porte. En fait, c'est pour un coffre. Et deux. Dans ce. Dans ce cas. Oh là là, oh là là. Tout ça pour des pendentifs du bonheur, c'est n'importe quoi. Donc ce que je vais faire les amis, et oui les amis, on pense pas à tout dans la vie, mais moi j'y pense à tout, c'est à faire ça. Et oui les amis, la feuille 1, là, on aimerait tous avoir cet objet dans la vie pour pouvoir voler. Et ouais, oui, perdre du temps avec les plateformes. Ok, donc là, d'après mes souvenirs, là, on peut voir que les chauves-souris m'attaquent. On peut voir qu'il y a un trou. Oh putain, non, mais s'il vous plaît, là. Vous n'êtes pas sérieux. Non, mais regarde là, elle part en plus. Ok, bon, elle remonte. Oh putain, mais... Mais si j'ai game over dans cette partie, je rage quitte. Allez, vite, 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 vite. Accélère un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des cœurs ici? Non, il n'y a pas de cœur en plus.
Aussi mieux que. Bon, c'est là que je vais m'en débarrasser. Non, ça sert à rien de gaspiller des. Ah, ils m'ont saoulé. Hein. Alors, les bombes. Non, il faut lâcher vraiment. Putain, quand est-ce qu'il faut lâcher? Voilà, nickel. Il y a encore une pièce? J'en ai marre, moi, des pièces là. Encore un donjon, enfin encore un boss, ok. Oh, je suis là. Ah, ok. Excusez-moi, il y a le vent qui se lève, justement. Voilà, et du coup, ça va. Ok. Ça va réveiller les ennemis, j'imagine. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ah mais moi je fais n'importe quoi. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Tac tac tac, on va prendre ça. Oui, des cœurs, s'il vous plaît, plein de cœurs. Il y a quoi là-dedans? Ça fait 27 minutes, ouais. La deuxième partie va être plus longue que la première. Je m'y attendais un peu. Une carte au trésor, nickel. Ah ok, 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 nickel. Donc ici, revenons. Oh non, les chauves-souris vont repopper. Ok, maintenant il faut faire un système avec ces statues, comme vous allez pouvoir, ce sont des balances. On va peser, on va se la jouer poissonnier et on va peser le poids de Link. Alors, il me semble qu'il faut toutes les mettre. Parce que Link est lourd, hein, même s'il a 12 ans, on ne tirait pas comme ça, mais il est lourd avec son épée, son bouclier, ça fait lourd tout ça. Il me semble que 3 c'est bon. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a quoi en face? Ouais. Faut mettre les 4, il me semble. Voilà. Pour être sûr, on va mettre les 4. Voilà. Elles sont mignonnes. Donc là, on va. Hop, sauter. Nickel. Hop, sauter. Nickel. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a un autre mini-boss dans cette pièce? Je sais plus du tout. C'est pas un mini-boss. Je me souviens de cet endroit. Il fallait monter là-dessus. Il fallait prendre ça. Et voilà. Il fallait vraiment y penser. Hein. Come on! Come on, come on, come on! Voilà. Alors, on va jouer la nouvelle mélodie qu'on a appris et on va traverser ces trucs. Normalement, on peut. Hein. Ouais, on peut parce qu'on est une statue et qu'on respecte rien. Voilà. Nickel. On prend la statue. Voilà. Il va falloir la poser parce que là il y a ce con de Kamek. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs. Où est-ce qu'il faut aller là du coup? Bah, il faut retourner à la pièce principale, mais malheureusement, les
Ne me dis pas qu'il va falloir faire le truc avec les statues. Ah oh, putain. Oh, c'était joli ça. Mais il faut refaire le truc avec les statues. La perte de temps, les amis. Et ouais, comme quoi, quand tout repop, ça peut être bien, comme on a pu le voir la première partie, pour pouvoir refaire repopper les bâtons avec le feu. Et là, comme quoi, le repop, c'est pas terrible, parce que du coup, faut tout refaire, et c'est chiant. Encore, quand on joue seul, comme ça, Zelda, ça va, mais quand on est en vidéo, enfin, c'est pas très passionnant pour vous, je pense. Même pour moi, c'est un peu chiant, on va dire. Allez! Ah là 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 là! Mais la dernière, normalement, c'est bon. Hop! Et voilà. Donc, vous le saurez, hein, Link fait donc le poids de 4 petites statuettes. Mais, oula, on dirait que je suis bourré. Voilà, on va prendre des flèches, enfin des cœurs, des flèches. Voilà, on va porter la statue. Et hop. Et hop. Voilà. Et voilà. On a réuni les 3 statues. Il me semble qu'il y en avait 3. Et on va pouvoir passer à l'étage du dessus et affronter le boss, les amis. Ah, les cinématiques très longues, enfin les statues très longues plutôt. Alors qu'est-ce qui se passe? Waouh! Waouh! C'est trop beau! Alors, des petits cœurs, non, c'est bon, on a tout. Bon, je viens de bombe. Pourquoi pas? Que tu m'en proposes. Putain, mais, ah, mais c'est pas possible ce Link là. Et là on va monter au paradis. Par la force de je ne sais quoi, on vole. Et hop, on arrive dans cette pièce. Alors, d'après. Ah ouais. Non, ok. Il va falloir les poser ici. Voilà, et de une. Et de deux, on la prend. Et on va se mettre là, voilà. C'est pas logique quand même. Parce que normalement, quand on se retire, je sais pas, l'interrupteur, il se remet. Et là, grande clé, et oui, c'est la clé qui nous manquait pour atteindre le boss. Et voilà, et voilà. Maintenant, on va les éviter, vous inquiétez pas. Et on... Ah merde, il va falloir... Non, j'en ai rien dit. Alors, on va... S'ouvrir. Voilà. J'ai tout compris. Et là, on est dehors. Alors, voilà. Ça dégage. Oh putain. Ok. Aïe. C'est une blague. Est-ce que ça se tue, ça? Ouais, ça se tue. Sinon, on peut pas passer. Voilà. On y est bien. Aïe. Ok. Voilà. Prends des bombes. Il y a l'oiseau à la con qui se ramène là. Voilà, nickel. On est vraiment parfait, hein. Ok, j'ai parlé trop vite. Ah mais je fais n'importe quoi.
Mais ouais, je fais vraiment n'importe quoi. Un peu un truc. Oh là là, mais c'est pas possible. Voilà. Oh, une fée. Alors, une fée. On en a déjà une. Bon, ça ne sert à rien en fait. Je vais la prendre. Voilà. Donc, les amis, on est devant la porte du boss. Bon, là, il y a plein de fées. On s'en fiche. J'en ai déjà une dans un pot. Tac, tac, tac. Et on va affronter le boss, les amis. Un boss vraiment cool. Ouais, il est vraiment bien. Vous allez voir ça. Bien, te voilà enfin. C'est donc toi, l'élu. Voici ta dernière épreuve. Alors, qu'est-ce qu'il veut le mec? Ce boss, il me fait penser à... Si vous avez joué à Mario Kart... Ah, Link. Si vous avez joué à Mario Kart DS, vous vous souvenez, il y avait un truc comme ça avec des mains. Donc là, si vous avez compris le principe, il faut viser les yeux. Putain, il lui reste un œil. Alors, Link, s'il te plaît. Voilà. Ah merde, faut lui mettre les bombes. Faut lui mettre des bombes dans la bouche. Et ouais, d'accord, ok. J'avais pas prévu les bombes, comme un idiot. Donc un boss, pas très compliqué en soi. Faut juste bien suivre le rythme. J'aime bien, il nous crache des... Ah d'accord, j'en ai plus pour ça. Il nous crache des flèches par les narines, c'est plutôt drôle. Attends, Link, dégage. Ouh. Ok, il lui reste plus qu'un œil. Putain, j'en ai plus. Mais ouais, j'en ai plus, mon petit gars. Pourquoi tu m'en donnes que 10? Et ouais, mais il m'en donne que 10. Il pourrait m'en donner 20 ou 30. Voilà. Deuxième coup et le troisième coup ne va pas tarder. Voilà, des flèches. Les flèches. Où sont les flèches? Ouh. Il a voulu me faire mal, il a voulu m'écraser. T'as été mal éduqué toi, dégage. Voilà. Allez, montre tes yeux. Il me reste plus que 5 flèches. Et je n'ai plus de flèches. Je n'ai plus de flèches. Merci. Et bah, le distributeur, il a du mal à comprendre. Voilà. Hop là. Il me semble que c'est le dernier coup. Normalement, c'est 3 coups dans les Zelda. Et oui, c'est bien ça, on l'a eu. Vous avez vu, c'était pas un boss si compliqué que ça. Le chemin t'est désormais ouvert, jeune élu. Donc en fait, c'était pas un boss méchant, on va dire, c'était plus une épreuve. Tout. Ah merde, j'ai pas vu. Fais attention à toi, j'ai pas vu ce qu'il disait, merde. Tout ce qui arrivera, je sais pas quoi. En fait, c'était plus une épreuve qu'un boss. Enfin, tout boss est une épreuve, vous allez me dire, mais là, ça venait pas de Ganon, on va dire. Parce que c'est la tour des dieux. Et les dieux, ils sont gentils, ils sont avec nous. Donc c'est plus un truc pour nous entraîner à l'arc. Alors, oula, avant de partir, on va prendre le quart de cœur, merci.
Et on y va, et voilà les amis. Combien de temps? 40 minutes, bon, ça va. Pour un, voilà. Vous avez vu, j'ai coupé en deux parties. La première faisait 30 minutes, celle-là 40. Ça aurait fait beaucoup, beaucoup trop long pour vous. Hein. Ça, on peut se le dire. Donc, on va pas se quitter là-dessus, hein. Ça serait pas très beau. On va se quitter sur une belle victoire, les amis. Sur une très belle... Une belle animation. Tout, voilà, j'aime beaucoup ce... C'est très joli. Fais sonner la cloche. Sonner la cloche. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de pas dire au revoir trop tôt. Ah oui, on va se... Je sais pas si dans l'animé on est obligé de rentrer dedans. Non, je crois pas. Est-ce qu'on peut se laisser là avant de rentrer dans le rayon lumineux? Bravo, Casi Perry. Les dieux t'ont reconnu comme étant le héros. Mais tes épreuves ne se terminent pas ici. Eh bien non, les amis. Tes vraies épreuves commenceront quand tu rentreras dans le monde qui souffre au-delà de cet anneau de lumière. Tu es bien résolu, Casi Perry. Oui. Ah bah non, on est obligé de rentrer. Bah voilà. Donc du coup, bah, je vais vous laisser voir le début et on se quittera juste après ça. Oh, je m'étire un peu, pardon. Donc là, je vous laisse montrer cette scène, je me tais un peu. Tu te demandes certainement où nous sommes, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de te l'expliquer maintenant. Une fois que tu auras affronté Ganon à l'aide de ce que tu trouveras dans ce château, tout deviendra enfin clair dans ton esprit. Fais-moi confiance et entre vite dans le château. Donc les amis, on va cesser là hein, quand même. Donc comme vous pouvez voir, on est les seuls en couleur. Le lion rouge et moi, on est en couleur. Et tout le reste est en noir et blanc. Enfin pas en noir et blanc, mais ça n'a pas de couleur vive, on va dire. Et c'est tout triste. Et on va devoir rentrer à l'intérieur. Regardez, tout est figé, tout est arrêté. En fait, le temps est arrêté, regardez. L'eau ne coule plus. Le temps... Ok, l'eau... Et je me fais attaquer par le clou. Enfin voilà, le temps est figé, le temps est arrêté. On se demande pourquoi. Et on va voir ça tout de suite, les amis. Enfin, tout de suite, dans la prochaine partie. Donc, dans la 10e partie, il me semble. Oui, 10e. Donc, 10e, un nombre spécial. Vidéo spéciale pour la prochaine. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucune autre de mes vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai déjà dit, bon, bref, allez, ciao!